Ouais, c'est nuageux ce matin, mais il n'a pas l'air de vouloir mouiller. J'ai vraiment bien dormi. Je me suis couché à 8 heures. Mais on dort vraiment bien, la température est juste parfaite. J'ai pas hâte de redescendre là, au niveau de la mer dans une centaine de kilomètres. On retombe dans une grosse chaleur. Ça me le tente pas. On est juste bien à faire du bicycle. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Mais on va profiter le temps que ça dure. Je suis dans le village que je voulais arriver hier pour camper. C'est vraiment mort. Bon, j'étais mieux à chute. On va continuer. Ça fait deux fois que je me fais courir à vrai par des chiens. Un petit village, j'ai traversé. D'habitude, tu sais, les chiens jappent, ils gardent leur distance. Et le dernier, il était gros, puis il est foncé sous moi. J'ai sorti mon bâton. Il a reculé. Man, c'était peur, hein? Un ancien poste à essence, restaurant Altroutière qui est abandonné. Le resto est peut-être encore ouvert. Mais ouais. Tout est un peu à l'abandon. Je me sens un peu. C'est quoi le film? 28 Days After, les zombies. Et c'est ça, tu sais, c'est le parc national Canaïm, donc ça attirait beaucoup de touristes. Tu sais, je vois plein de spots où camper, etc. Et là, avec la crise, ça a droppé. Le Roraima marche encore, tu sais, avec les agences qui amènent le monde là-bas. Mais le monde reste plus chillé ici, là. Sauf moi. Oh, Simon Bolivar sur le mur. Allô, allô. Ah, on va continuer. Je suis comme dans une station-service fermée, hôtel-restaurant. Il n'y a pas un chat. Ben, il y a des madames qui travaillent. J'ai commandé du poulet frit. Elle me dit, t'es-tu pressé? J'ai comme l'impression que ça va être long. J'ai pu acheter du Wi-Fi aussi. Je vais avoir posé. J'ai fait comme 30 km. Ça a bien été. Mais ouais, là, ça remonte. Fait que je vais manger. Là, j'abuse, c'est un 2 litres. Il y avait juste ça. Fait que, ouais, c'est un peu... L'ambiance est bizarre, tu sais, je me sens vraiment comme un jeu vidéo d'horreur, là, tu sais. Tout est un peu abandonné, creepy, tu sais, tu sens que le monde n'est pas riche, là. Il y a du monde qui marche dans le chemin, c'est pas trop ce qu'ils vont. Mais en tout cas, on va continuer encore. Ah, ça a l'air pas pire, ça va le faire. J'ai plus beaucoup de bouffe pour vrai. J'ai de quoi, tu sais, pour cuisiner le soir, mais tu sais, mettons, j'aime pas ça sortir mon réchaud le midi. J'avais plus grand chose. Comme le plus gros éboulis dans le chemin principal, il n'y a aucun cône ou poteau ou rien. Tu peux arriver dans le fond, avec ton élan dans le fond. Carrément tué. Hey! Hey! Il y avait des petits gars cachés en dessous. Dis-toi. Ouais, je suis tanné. De la pluie en après-midi tout le temps. C'est frais. Je me suis fait surprendre, j'ai pas vraiment eu le temps d'être mon impair. Ok, j'étais au Fuerte Manicouya avec des militaires en attendant le pire que la pire de l'averse passe. C'est un peu fucké. T'es quand même smart, par exemple. C'était plus mal que les polices que j'ai vu. Ben, ils arrêtent les chars, pis t'sais, il y a un truck qui est arrêté. Il a inspecté un peu. J'ai vu le gars sortir, le militaire, avec 3 bouteilles de coke. Donc, c'est bon. Des incorruptibles. Mais ils m'ont dit que 3 km sur mon chemin, comme des gardes de parc, que je pourrais camper. Parce que là, ça. Il pleut plus. Mais je pense que ça va recommencer. On va voir. Fait que je me suis arrêté.
Je suis allé au garde-parc en face, ils m'ont dit de venir ici. C'est comme une espèce d'abri. Genre des familles qui... Il y a comme du monde qui vit dans les cabanes, je pense qu'ils étaient pour les touristes à cette heure. Mais je lui parle à un petit gars, je peux rester ici. Je vais mettre ma tente ici. Pas l'air de déranger grand monde. Une autre journée au Venezuela de fête. Encore vu d'autres affaires bizarres. Genre pensé, tu sais, au poste militaire. J'ai vu le gars avec les bouteilles de coke et un autre truc qui est resté longtemps. Que j'ai vu passer comme des gros sacs de saucisses à hot dog. Puis c'est ça, il les a pas repris. Là, il a... C'était son pot de vin à éteindre les saucisses. J'imagine. Aïe, je suis resté quoi 10 minutes. Ça passe. Puis là, je fais des arrêts pas comme Bostian m'a montré. Ils sont pas aussi belles, par exemple. On va voir. Je pars de l'espèce de place de parc avec la famille. C'est un peu bizarre, j'avais l'impression de camper direct dans leur cour, mais personne n'est comme venu me parler. Un matin, les enfants criaient puis me gossaient. Mais il y a plus fort quasiment toute la nuit, puis là, il pleut encore. Mais ouais, c'est ça, avec les enfants qui criaient, ça me tentait pas de rester à attendre. Fait que là, je pars. Je pense que j'ai comme peut-être 15-20 km à faire sur le plateau. Là, le monde descend, puis après ça, c'est la grosse côte qui descend comme 1300 mètres. Puis après ça, c'est la région minière hardcore. Kilometro 88. Un beau toponyme. Ce qui paraissait trash. Je vais en faire attention. Un monument sur la route, le monument aux soldats pionniers, un peu à l'état délabré. Ouais, ce que j'ai dit là, sur 28 jours, 28 days later, là. C'est vrai. Ouais. Maudite belle place pareil. Mon vélo prend la pause à l'honneur des soldats pionniers. Prochain 50 km. Descente dangereuse. Puis il y a quelqu'un qui a marqué c'est Mata Gente. Et ça tue du monde. Oh, la confiance règne. C'est à 1440 mètres. Je pense que c'est le point culminant du chemin. Mais le coup, ça continue de monter. Fait que j'ai l'air de quitter la grande sabane à retourner dans la selva et la chaleur. Profite des derniers kilomètres qui fait confortable.